Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très important par rapport à ce qui nous touche souvent. Je veux parler un peu de ce que nous faites quotidiennement sur Facebook ou bien sur WhatsApp ou bien sur d'autres. Parfois, on nous envoie des photos de les partager, etc. et tout ça. Et de savoir directement que dans ce photo-là, il peut en avoir des dangers. Des programmes malveillants qui peuvent prendre le contrôle de nos appareils sans pour autant se rendre compte. Du coup, cette vidéo, j'ai préparé déjà quelque chose. Le dossier selon lequel vous voyez ici, je fais un format WinRAR en bas. Et après celui-là, dans le format WinRAR, si on le clique ici, on peut voir que les fichiers qui sont au dehors, je les ai insérés ici. C'est-à-dire que j'ai déjà compressé le fichier. Alors, si nous regardons la taille ici, là où il y en a KO à la fin là-bas, vous voyez 19021. Cette taille-là, nous voulons directement que on le cache dans le photo là, qu'on le nomme directement crasse, où le taille est 710. On regarde très bien tout ça en grand. C'est ça la photo. C'est ça, les deux fichiers que je les ai compressés ici. Que nous puissions directement les faire ensemble. Pour commencer, on va faire en sorte de cacher un fichier dans une image selon laquelle, s'il y en a des personnes qui voulaient par exemple regarder quelque chose, tout le monde a des démons, a des secrets à cacher. Si vous ne voulez pas que personne voit directement votre photo, vos images, ce que vous voulez par exemple cacher, vous pouvez directement utiliser ce programme d'une manière très simple. Et cela, ça va vous permettre directement d'arriver dans votre programme. Du coup, pour le faire, il y en a deux manières. Il y a qu'à midi 14h, on va entamer directement le tuto. Et ça sera vite fait. Pour commencer, vous allez directement ici à la ligne de commande, on tape directement CMD. Mais dans ce cas-là, vous cliquez directement un clic droit et exécutez en tant qu'administrateur. Au moment que vous êtes là, ici on peut faire beaucoup de choses. Il n'y a pas qu'une seule chose qu'on peut faire. En réalité, tout ce qu'on crée, on peut directement le faire en ligne de commande sur Windows aussi. Comme sous Linux, mais sous Windows, c'est la même chose. Je veux me déplacer directement au fichier dans le disque C, c'est-à-dire le disque racine. Et là, je suis là. Si je regarde genre, je regarde comme dire, il y en a des fichiers qui ça se trouve à l'intérieur. Entre-temps, on peut créer un dossier. Mkadir, comme ça, et là on nomme le nom du dossier, par exemple Youssouf. Youssouf 1, et on valide. Et si on va directement dans notre système en premier lieu, on va regarder ici, là nous sommes en C. Si nous sommes en C là-bas, on va visiter. Il y en a le fichier qui est là-haut,
Il y en a le fichier Youssouf 1, il est en bas. C'est-à-dire, on peut tout créer là-bas. On peut tout créer. Il y en a Axe, selon laquelle je l'ai déjà créé pour planifier le cours. Mais on peut tout faire à travers nos programmes Windows en commande sans pour autant que on touche ici, on touche cela. De ce fait, là, nous, on a besoin de se déplacer. Nous, on a besoin de se déplacer vers ce fichier-là qui s'appelle Axe. C'est Axe, c'est là où tout est là-dedans. Alors, du coup, on va ici, là, taper directement CD, Axe. Et on met tabulation. Il peut directement remonter au fichier sans pour autant qu'on la termine. Et si, par exemple, là où nous y sommes, c'est là où on va créer le fichier image en question. C'est-à-dire, on va utiliser le format WinRAR qui est ici là. Pour que l'on puisse directement tout le format WinRAR, on va copier ici pour l'insérer directement dans le photo. C'est-à-dire, les deux images, on va les associer ensemble. Pour ce faire, on va faire copie. On va faire mettre un espace, on va mettre D et puis on va écrire le nom de notre photo. Le nom de notre photo. Le nom de notre photo, c'est quoi? C'est Crasse. Mais Crasse a deux formats. Puisque c'est un photo, il doit en avoir format JPNG, format PNG, etc. Mais là-bas, il y en a format PNG. On va regarder tout ça pour regarder très bien. On va regarder très bien pour voir. Si vous voyez ici, il y en a le format de la photo Crasse et de PNG. Alors nous, on va mettre le format à la même chose là, la même manière qui est là-dedans. Alors là, on va le mettre PNG. Mais on va associer notre format à quoi exactement? On va associer notre format à quoi? En réalité, on va les associer à un autre format qui s'appelle Youssouf. Mais ce format-là, c'est un format rare. C'est-à-dire, à la fin du format, il doit en avoir rare. Alors là, on va écrire l'association de deux fichiers. On va faire espace. On fait un espace ou bien on le colle. Là, il y en a Youssouf. Point rare. Ça, c'est le format. Le nom selon lequel on va donner la photo en question. Bon, on va les laisser à le même nom. On peut l'écrire directement. Crasse.png. Alors là, on va valider. Entrée. Et vous voyez directement que un fichier copié. Ici, là, c'est-à-dire, il y en a un fichier qui a été copié. Pour cela, pour voir tout ça au clair, on peut regarder ici. Le format de la photo est devient combien? Il a fait l'addition en même temps de la photo en premier plus le format lui-même de notre format WinRAR. Si on regarde très bien ici, on peut voir automatiquement que la photo est bel et bien là. La photo peut s'ouvrir tranquillement sans souci. Vous voyez la photo, non? En plus de cela, si nous voulons ouvrir l'image qui est à l'intérieur de la photo, par exemple, on est là, on va choisir WinRAR par exemple, vous pouvez trouver qu'il y en a d'autres images à l'intérieur de cette image. Cela montre que on peut cacher n'importe quoi, n'importe quelle image sans se soucier